Salut les gars. Salut, salut. Bon, on va attendre que les gens arrivent. J'espère que vous allez bien. Dites-moi qui est là dans le chat. J'espère que j'ai pas fait le live un peu trop tôt. Je voulais, le faire à, je voulais le faire à 17h, mais je me suis dit, bon, on va essayer de le faire un peu tôt. Après, moi je voulais aller à la salle. Euh, bon, au pire, s'il n'y a, a pas trop de monde, je le, je le fais quand même et je le referai avec plus de monde, il n'y a aucun souci. Ouais, ça va Alexandre Bah ça va, tranquille. Impeccable. Hein Impeccable, impec. impec. Bon le, le, le live je vais vous expliquer comment il va fonctionner. Alors en fait bon, euh, première partie du live comme d'hab je vais vous présenter enfin je vais vous présenter on va faire un petit update un peu du, du Bitcoin et de l'ETH les, voilà, les deux crypto mastodontes. Et après deuxième partie, c'est vous qui allez me poser euh, c'est vous qui allez me, me dire ce que j'analyse pour vous. Voilà. Comme, euh, comme en première partie euh, la semaine dernière ou il y a deux semaines, j'avais quand même pas mal analysé, j'avais tout analysé. Donc euh, voilà, je me suis dit ça ça peut être fun euh, si c'est vous qui, qui voilà si vous qui décidez les cryptos que vous voulez que j'analyse, ça, ça peut être sympa, ça peut être marrant. Donc on va attendre qu'il y ait un peu de monde et je vais commencer euh, par le Bitcoin, le TH, et après c'est vous, vous qui me c'est vous le freestyle, c'est vous qui faites freestyle. Je vais, analyser, je vais essayer d'analyser 10 cryptos, comme ça, ça fait pas trop. Euh, 10, 10 cryptos maximum. Parce que moi, quand j'analyse, j'analyse sur toutes les timeframes, donc ça risque d'être long. Euh, donc voilà. Bon, on va commencer. Alors, le Bitcoin. Qu'est-ce qui se passe sur le Bitcoin Le Bitcoin en Monthly, donc. Je, je récapitule à chaque fois hein, dans les lives pour les débutants. Qu'est-ce que le monthly, le weekly, le daily Alors le monthly, c'est une bougie égale un mois. Ça veut dire que la cotation sur cette bougie, enfin sur chaque bougie, c'est un mois. Voilà. Là, c'est vraiment du très long terme et euh, c'est bien d'avoir du recul pour avoir la tendance de fond. Okay Mais voilà, c'est quand euh, c'est quand même du très très long terme. Donc là, rien à signaler, on est toujours sur cette moyenne mobile 50. Ok. Donc attention à ne, à ne pas la casser par le bas. Attention, on a l'air de vouloir consolider sur cette moyenne mobile. Donc là, ça fait déjà deux mois qu'on est dessus. Donc on avait un mois haussier, un mois baissier. Donc attention, attention parce que si on clôture euh, le mois d'août, le mois d'août. Euh, ouais, le mois d'août dans, dans quelques jours, là, dans neuf jours. Vous voyez la 9 jours. Euh, C'est un signe pas très rassurant, rassurant pour les vendeurs, pas rassurant pour les acheteurs. OK. Euh, surtout qu'on est sur du monthly. En plus, on est en dessous de la zone de neutralité sur le RSI. Donc euh, attention. OK. Par contre, par contre, point positif, ça peut être un excellent niveau de rebond, un excellent niveau de rebond généralement. Les moyennes mobiles 50 et 200, c'est des excellents rebonds. Une fois là, une fois là, et une fois là pendant le Covid. Trois fois, quoi. Okay donc euh, là, ça va être primordial. La clôture monthly. De toute façon, toutes les clôtures sont primordiales. Il y a quelque chose que vous devez savoir, les amis, c'est que vous devez surveiller les clôtures. Vous devez surveiller la clôture mensuelle. Vous devez surveiller la clôture weekly, donc mensuelle la clôture du mois, weekly la, la clôture de la semaine. Et daily, la clôture journalière, la clôture de la journée. Donc ça, c'est les trois clôtures les plus importantes. Après, il y a la clôture 4 heures qui est, qui est intéressante pour euh, du moyen terme, pour du swing trading. Euh, et il y a le 1 heure pour le day trader. Mais les trois plus importantes, on va dire, et les plus surveillées, parce que vous, vous devez surveiller ce que tout le monde regarde, ce que tout le monde surveille, pour donner plus de pertinence aux... aux à l'analyse technique que vous regardez, au graphique que vous regardez. Donc c'est le monthly, le weekly et le daily. Ok. Donc le monthly, rien à signaler, on reste sur cette moyenne mobile. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Donc le weekly. Donc le weekly, on est. Alors comme je vous ai dit la semaine dernière, on avait peur, on a eu peur. Enfin on a eu. Enfin moi perso j'ai pas eu peur parce que euh, moi, peu importe s'il baisse ou, ou il monte, moi, mon objectif c'est de, de faire des gains, peu importe le marché financier, euh, peu importe la tendance, pardon, peu importe la tendance, que ce soit aussi au baissier. Euh, moi, j'attends pas que le marché monte pour faire des gains. Normalement, un trader doit s'adapter et doit faire des gains en marché baissier aussi. C'est ce que j'apprends à mes élèves dans Crypto Booster et dans le canal. Peu importe la tendance, on fait des gains. Ok, donc nous on a eu peur parce que. Euh, généralement la moyenne mobile 50 et 200 c'est des bons niveaux de support ok donc généralement quand la moyenne mobile 50 est cassée le dernier rempart c'est la 200 mais là on a vu que là on a eu peur ici mais on s'est euh, tout de suite appuyé sur enfin euh, on a tout de suite construit un support le support sur les 10, bon, on va dire 19 000 grosso modo 18 730 avec la mèche Attention, si on casse ce support, ça va être panique à bord, ça va être, euh, ils vont vendre à tout va, panique sell. Euh, voilà. C'est attention, ce support il est très très important. Euh, c'est pas impossible qu'on aille retoucher ce support des 19 000, c'est pas impossible, ok. Encore 12% de baisse, c'est pas pas déconnant. Attention à ne pas à ne pas, enfin euh, attention. Faites gaffe de pas faire des longues si vous n'avez pas de confirmation parce que il n'est pas impossible qu'on ait retouché le support, peut-être rebondir, mais si on le casse, ça va être la panique, okay euh, Donc là, en fait, on évolue autour de la moyenne mobile 200, on sent, on le sent, on sait que, que voilà, pour faire paniquer les, les on va dire les mains faibles, les débutants, euh, et même les plus confirmés, parce que quand on voit ce signal d enfin, ce signal de vente, sur la cassure de la moindre mobile 200, euh, on se dit merde, on se dit euh, voilà, si on, si on l'a shorté, on est bien, mais si on a pris une position à l'achat, la, à c'est un, un peu tendu, ok? Mais voilà, on se rappuie sur le support qui a été formé à 19 000, grosso modo, hein, je, vais, je vais dire du 19 000. Euh, on refait des pullbacks, donc c'est-à-dire on retouche la moindre mobile 200, on fait une bougie d'indécision. Là, là, on a eu une. une Là on a eu vraiment une, une excellente, un excellent point de, un signal d'achat de, de, sur, le, sur le weekly. Euh, donc là le prix il a fait euh, là les acheteurs ils ont ils ont, ils ont, ils ont, ils ont attendu ce signal d'achat qu'on rebondit sur le support et là euh, voilà il y a eu 34-35% de hausse ok yo salut teddy pas de souci Merci à toi pour, euh, pour, euh, pour ta présence. Donc, tu vois, on a eu, depuis le, depuis le support, on a eu une reprise de, de 30%. Euh, moi, moi j'avais donné un signal d'achat sur le groupe et je l'avais, voilà, j euh, moi j'avais fait du trading. J'avais vite revendu à, à 19 800 et après, bon, c'est du trading, on, on prend les gains, on s'adapte. Mais pour quelqu'un qui, qui, quelqu qui a fait du swing trading, il s'est mis bien. Okay et après, généralement, là, il y a eu le piège. C'est qu'on s'est dit, et on pouvait se dire, parce que c'était un bon signal, comme quoi on était au-dessus de la moindre mobile de euh, cent. Là, il y avait tout, tous les signaux pour, pour une avalanche haussière. Et bam, on s'est fait piéger. Enfin, on s'est fait piéger. Ils se sont fait piéger. Et du coup, hop, on, on, ravale, on ravale presque cette montée-là. Et voilà, là, suspense. Est-ce qu'on va retoucher le support Voilà. Donc, euh, donc, sur le RSI, vous avez vu, on a cette droite de tendance qui supporte le prix depuis, depuis, euh, depuis le 13 septembre 2021, euh, 17, euh, 17 janvier 2022, et euh, le, le 20, enfin, mois de juin, mois de janvier, mois de septembre, ok donc euh, là, ça peut être un excellent niveau de support ici ou la descente aux enfers si on casse. Si on casse sa droite de tendance sur le récit, si on casse euh, ce support sur le weekly, si on casse le monthly, la moine mobile 50, ça va paniquer sec. Okay Donc voilà, euh, là pour l'instant, on, on, voilà, on forme une petite. On accumule, le prix s'accumule autour de la moine mobile 200. Okay Donc ça, c'est pour le weekly. Donc, une bougie égale une semaine. Donc, il n'y a pas de question. Attends, je vais boire un petit coup. Alors, je voulais voir avec vous. Salut Yann <laughs> Salut Je voulais voir avec vous. Euh, Est-ce que vous trouvez ce, cette figure graphique normale Parce que là, je, voilà, je vous ai mis une croix. Euh, je, ce matin, j'ai fait un petit tour sur les, sur les réseaux sociaux. Et j'ai beaucoup vu de, de, de youtubeurs se, se mettre se, faire ce graphique un peu dégueulasse. Qu'est-ce que vous en pensez Est-ce que c'est un bon graphique euh, Pas le graphique, la figure. Est-ce que c'est une bonne figure ça Je vous pose la question. Est-ce que ça c'est une bonne figure ce, ce, Cette figure-là Je vous laisse réfléchir. Hein. Parce que j'ai souvent... Ça, j'ai vu ça sur Twitter, sur YouTube. Euh... Voilà, une sorte de figure comme ça. Euh... Alors potentiellement ça va la, la figure n'est pas, pas dégueulasse avec les points, de, les points de contact tout ça mais est-ce que c'est une figure qui, qui est regardée par les acteurs du marché donc moi je vais vous dire la je vais vous, vous dire la réponse je pense que vous n'avez pas la réponse ça c'est pas une, ça c'est pas une bonne figure ça ça on appelle ça un triangle symétrique tu vois sur les cryptos, il y a plus de, de, de consolidation qui se forme. Tu vois De consolidation. Ça veut dire que le prix consolide autour du, du support et de la résistance. Mais une figure comme ça, voilà, c'est un, une figure d'indécision. Ça n'amène pas trop de. de c'est l'angle droit. Bon, c'est un peu technique ce que, ce, que, ce que je vais vous dire, mais l'angle droit n'est pas. C'est plus sur le Forex qu'on voit ce, ce, genre de, ce genre de figure. Donc moi ça, euh, voilà, je voulais voir avec vous. Ça c'est pas une bonne figure. Plutôt une figure comme ça de, de consolidation. Le prix s'accumule, le prix s'accumule. Après on refait un pullback sur, sur le haut de la consolidation. Là on refait une avalante, une avalante haussière. En plus on fait une étoile du matin ici. Et voilà, on refait du pullback. On a l'air de repartir et on réintègre à la zone de consolidation. Moi je préfère ça, tu vois. Et en plus il y a la moine mobile 50. Je préfère ça qu'une figure un peu euh, toute dégueulasse, ok. Donc sur le daily, euh, on a réintégré la zone entre, entre 18, 980. Allez, 19 et, euh, et 22,500. Moi, j'avais dit sur mon groupe privé, faites gaffe, ça peut refaire un pullback à 22500. Un, un gros rebond. Et après, euh, voilà. Mais. Euh, mais généralement. Ça refait des pullbacks sur du 1h, sur du 4h. Mais sur le daily, si vraiment sur le 1h, le 4h, le pullback se réalise, on va viser le daily, ok Donc là, pour l'instant, c'est baissier. Hein. Là, on le voit. Hein. On le voit, hein. les sommets, les creux sont de plus en plus bas. Euh, c'est toujours baissier sur le daily. Vraiment, le daily, moi... Euh... Donc le daily, c'est une bougie égale un jour. Moi, le daily, j'attends vraiment le le signal vers les 27, vers les 25 pour une reprise vraiment haussière. On va dire que, on va dire que 25-26 ça, ça va donner un bon signal qu'on revienne voir cette zone, tu vois. Donc sur le 4 heures, euh, sur le 4 heures, sur le 4 heures, sur le 4 heures, là on a cassé ici là, là on a cassé ici, hop donc ça j'enlève, on a cassé ici. Là on, a, là on a une petite résistance ici à 25 donc le prix le prix allait tester une enfin même une deux trois quatre cinq six fois les 25 ça a été rejeté donc on a cassé la moyenne mobile 50 on a cassé la moyenne mobile 200 là en plus on fait une death cross, donc un croisement de la moyenne mobile 50 et 200 à la baisse un croisement à la baisse donc boum du coup du coup là on a une sacrée baisse ok depuis les depuis les 25 euh, on, ouais, on se mange moins 15%, moins 17%. Et là, on a notre fameux pullback ici. Boum On retouche. On retouche le euh, l'ancien support qui est devenu résistance. Enfin, qui va devenir fin, qui est résistance maintenant. Qui était résistance. Donc là, on voit que le prix il a touché plusieurs fois la résistance des 21.600. C'était vraiment un, un niveau clé pour, euh, pour les. Euh, C'était vraiment un bon niveau de pivot. C'était un niveau clé. Quand on était dans cette zone et quand on voulait quand on voulait acheter quand on voulait acheter le support et quand on voulait par exemple aller vers les 24-25 ce qui a, il a eu lieu il y a eu lieu euh, donc dès que ça l'a cassé on a vu qu'on a évolué plusieurs jours plusieurs semaines au-dessus des 21.6 donc là, là quand on casse les 21.6 par le bas et qu'on et, et qu'on qu consolide autour des 21.6 euh, c'est pas très bon signe à moyen terme. Voilà, ça veut dire que, euh, ça veut dire que les 21,6 c'est un niveau de résistance maintenant. C'est plus un niveau de support. Donc si c'est un niveau de résistance, attention à voir les prochains niveaux de support. Donc les prochains niveaux de support okay c'est 19 000 okay et c'est euh, un peu plus bas, 18 000. Ça c'est pour le 4 heures. Yo Mathieu, bien Donc voilà, ça c'est pour, euh, pour le bitcoin. Donc pour ceux qui, pour ceux qui arrivent, ne hein, vous inquiétez pas, il y aura, y aura un replay. Il hein, n'y a, a aucun souci. Il y aura un replay, les gars. L'important, je pense, pour vous, que c'est d'arriver euh, euh, pour analyser les cryptos. Hein, pour, euh, pour que vous me disiez quels crypto vous voulez que j'analyse. Ça, c'est un, un petit rappel. Hein. Donc maintenant, on va passer à l'ETH. Donc... Euh, le TH, le TH, le TH. Le TH, pareil. Euh, on refait un pullback ici sur l'ancien sur, euh, support qui est maintenant résistance. C'est toujours pareil. Hein. On casse des supports, ça devient résistance. On casse la résistance, ça devient support. C'est toujours, toujours pareil. Donc là... Euh Là, c'est pas très bon signe pour le TH à moyen terme. C'est comme le Bitcoin. De, 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 de toute façon, c'est tout corrélé. Mais attention, attention, parce que on pourrait revenir retester la moine mobile 50, la moine mobile 50 entre 1200. Alors moi, j'ai vu beaucoup de beaucoup de personnes me dire re, euh, revoir le TH à 1200, c'est impossible. Ah, les gars, attention. Hein. À 2000, euh, euh, quand le quand le TH coûtait 2000. Il y a beaucoup d'achats, hein. beaucoup, beaucoup eu de longs qui se sont fait liquider. Hein. Donc attention le th en mon En weekly, pareil. En weekly euh, pareil, hein. on, on forme une, une accumulation autour de la moine mobile 200. Donc hop, là, fausse cassure et, un, et on réintègre. Et on réintègre. C'est toujours comme ça. Okay Donc attention, la moine mobile 200 à 1255. Voir voir un ETH entre 1100 même 1000 et 1200 c'est pas impossible après par contre je pense que on peut avoir un bon rallye haussier sur l'ETH je pense par rapport à Merge par rapport à voilà tout l'engouement autour de TH mais voilà les, les gens ont tout de suite cru que ça allait être Il ne bon, faut pas oublier que l'ETH il a été racheté ici sur les 1000 dollars il y a eu une hausse de plus de 90 Moi, je dis toujours les gens, je dis toujours aux, aux personnes, qu'est-ce que vous voulez de plus Qu'est-ce que vous voulez de plus Faites gaffe quand ça monte comme ça, il y a toujours une prise de bénéf. Ok Mais c'est positif pour le TH. À long terme, moi, je reste positif pour, euh, sur le TH. Ok T'as bien raison, ça se fait du bien de bonne sieste, gros. Donc en daily, euh, on est sur la moindre mobile 50. Attention à ne pas casser en daily la moindre mobile 50. Sinon, eh, c'est les 1002. Ok Là, c'est les 1002. Faut faire attention. Hein. Là, c'est baissier. On est en dessous de la zone de neutralité. Pour l'instant, au TH, il euh, y a une prise de bénéfice à moyen terme. Attention à ne pas revenir. Enfin, attention. Encore une fois, c'est. Péjor... enfin c'est pas péjoratif ce que je dis quand je dis attention mais prenez pas des longs comme ça au pif prenez pas des achats pour du trading attention je parle pas du je parle pas d'investissement pour du trading faites pas les cons quoi. là il y a pas de confirmation on est dans le vide enfin, on, est... on est sur des... des niveaux clés des niveaux de support importants qui casser qui peuvent casser pardon donc le 4 heures voilà, le 4 heures pareil, hein, on le voit, on le voit, on a cassé la moindre mobile 200. Et là, on est autour de merde, on est autour. Ah, J'ai déplacé. Voilà, on est autour du, du support ici, à 1580. Donc voilà pour le th. Donc voilà. Euh... En plus il y a du volume. Il y a du volume. C'est pas mal. Il y a du volume. Donc voilà pour le bitcoin et le th. Mais non, c'est vous qui me faites vos analyses. Qu'est-ce que vous voulez que j'analyse Allez, je prends. Comme il n'y a pas trop de monde, je prends 5 cryptos comme ça au moins. Comme ça au moins c'est carré. attendez je voulais vous analyser aussi euh, le perpétuel de th alors là c'est pas mal on est sur un canal haussier ici on est sur un canal haussier on touche on touche les 1200 après on retouche les, les 876 on retouche les 1200 on retouche les 1000 balles là on casse ici je vais zoomer là on refait un pullback. Tu vois, hop, on évolue au-dessus. Et pareil, on, là, tout le monde s'est fait piéger. Et boum, on réintègre le canal haussier. Et on évolue autour de la moyenne mobile 50. Euh, AR, c'est quoi déjà AR Je ne m'en souviens plus. Hmm. Ah le site Le site internet Non, je n'ai pas encore analysé le site internet. J'ai pas eu le temps gros. Alors, je pense que je vais l'analyser la... dans la semaine. C'est une crypto ou c'est le site Je ne m'en souviens plus. Sur du 1h, je voulais juste vous montrer sur du une heure. Quand je vous parlais en première partie de figures, de figures à regarder. Moi je préfère Je préfère voir une figure comme ça, tu vois Ça c'est un triangle rectangle et les triangles rectangles, c'est soit vous avez des triangles rectangles haussiers, donc on casse le triangle rectangle par le haut ou soit un triangle rectangle baissier, on casse le triangle rectangle par le bas. Ça ces figures apparaissent plus souvent que les figures symétriques dégueulasses là que je vois tout le temps sur YouTube. Ça, c'est une figure qui apparaît tout le temps et qui a du sens. Et en plus de ça, tout le monde va le voir. Donc, ça va. il va avoir plus de chances que la figure se réalise. Ouais, relié au site. Euh, bah, je sais pas si. Bah, bah écoute, on peut l'analyser après. Je sais pas si elle est liée sur, euh, sur TradingView. Je... Ouais, on peut l'analyser. Je finis le TH et on, on, on l'analyse. Donc, tu vois, là, on voit, on a cassé ici. Après, euh, hop, on a cassé ici, boum, on a cassé le support, donc ça on peut l'enlever. Bam, on casse ici, bam. En fait, là, on a. On a on, on, sur du trading en une heure, on a bien, on a bien, on a bien baissé hein, sur ETH, hein, depuis la cassure ici du train rectangle. Depuis la cassure. Alors attends. Il faut que je sois précis. Ah, depuis la cassure, euh, moins 16%. Ok voilà. Moins 18 même. Moins 17,87. Donc attention sur ETH. Après, là, ça, sta ça se stabilise bien en une heure. Hein. En une heure, c'est du trading, les gars. En une heure, euh, voilà. En une heure, ça se stabilise pas mal. Donc on peut refaire une petite touchette ici à 1650. Tu vois, on peut. Hop On peut élargir ici. Voilà. Yo, pic! Qu'est-ce qu'il dit le pic? Donc voilà, sur ETH, euh, en une heure, c'est pas mal. De toute façon, on, euh, sur ETH, il y a une grosse console hein, entre 1530 et euh, 1650. Mais depuis qu'on a cassé ici ce, ce triangle rectangle, bah, c'est. Voilà, c'est. Ah, si on dézoome, euh, voilà, c'est baissier. Hein. Les sommets, les creux sont de plus en plus bas. Donc voilà, alors on va voir euh, on va voir AR 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 crypto AR J'en ai trouvé une AR est-ce que c'est ça Je vais regarder sur internet AR Ah oui, ARwaves. ARwaves Waves, are waves. Arwiz est une blockchain novatrice proposant une solution de stockage décentralisé perpétuel. Oui, je m'en souviens, il, il en avait parlé. Bah, tu sais quoi, pour vous dire la vérité Pour te dire la vérité, Mathieu, j'avais complètement zappé. Arwiz, bah ouais, ouais, je l'ai trouvé. Hein. On va l'analyser ensemble. Bah, déjà, le fondamental, il est pas mal. On va l'analyser ensemble. Euh, on va l'analyser bah, sur QCON. Parce que là, je ne sais pas, sur Binance, c'est le même. Ouais bah ça, ça m'a l'air d'être ça Ok bah écoute On va voir Bon déjà il n'y a pas assez d'historique euh, Ouais il est dégueulasse Il n'y a pas assez d'historique pour euh, Bah c'est récent ça hein. Ouais mai 2021 c'est récent Bon le weekly euh, bah pour l'instant c'est baissier Donc euh, Bon Bon, il n'y a pas assez encore. Il faut voir le daily. Ok. bah le, Déjà, le fondamental, il est pas mal. Hein. Après, alors attends. Attends, on va étudier un peu le... le fondamental quand même. Parce que des fois, ça peut être du bullshit. Hein. Je... Enfin... Moi, mais non, je me méfie maintenant de tous ces trucs-là. Hop. Bon, le site, il est dégueulasse. Je m'en souviens, je... on l'avait dit avec Anthony, il est... il est vraiment dégueulasse, le site. Mais bon, des fois, le site, ça fait pas tout. Euh... On va regarder sur Wikipédia. wave. Alors. Un projet de crypto-monnaie dédié à l'hébergement bon, permanent de données, comme je vous ai dit, connu a connu une croissance significative de son prix plutôt aujourd'hui ok alors Arwise ah ouais, est une alors je récapitule pour ceux qui viennent de qui viennent de venir euh... en fait Anthony sur le live précédent il m'avait dit d'analyser cette crypto j'ai pas eu le temps je vous dis la vérité du coup je l'analyse avec vous en fait le deal c'est qu'en première partie j'ai analysé ETH et Bitcoin et en deuxième partie, j'analyse vos cryptos. Donc là, AR, euh, c'est vrai que je devais l'analyser, donc on va l'analyser. Donc, alors, je récapitule pour le fondamental. Alors, Arwave, je ne sais pas si je le dis bien, est une solution de stockage de données décentralisées visant à garantir que toutes les données sont facilement disponibles et accessibles indéfiniment. Ce réseau est la base de ce, qu de ce, de ce que sont les... Ok. Alors, bon, ça, ouais, ça faut se méfier hein, quand ils disent oui, bye. Euh, c'est un peu un fear and gris euh, du, du, du projet, quoi. Bon, ouais, l'équipe, ok. Parce que dans un projet comme ça, faut souvent regarder l'équipe. Moi, je regarde souvent l'équipe. Euh, l'équipe... Bon, il n'y a rien derrière l'équipe, quoi. Il n'y a pas... C'est qui, moi, j'aimerais bien savoir c'est qui il euh, n'y a pas plus d'infos parce que sur leur site est-ce que sur leur site paper Bon euh, je vais pas perdre de temps sur ça voilà vous regardez vous allez sur le site vous regardez le livre blanc vous regardez l'équipe euh, le fondamental il est pas mal sur le papier. Donc, on va, on, va, on va analyser le token. Alors, le token en daily. Bah, en daily, c'est baissier, de toute façon. En daily, c'est très baissier. Hein. Euh, il a fait un plus bas à 7,20 et il a fait un ATH. Ouais, il a fait un bottom. Ouais, c'est vraiment le bottom 7,20. Faut voir. Ouais non, il a fait un bottom à 7.14. Et il a fait un ATH. Ah ouais, plus de 90. Donc euh, pourquoi pourquoi il a chuté comme ça Je vais voir si je peux le comparer au Bitcoin, faut voir. Euh, ouais, il a chuté en même temps que le Bitcoin, OK. Bon, déjà comme toutes les cryptos, donc c'est pas mal. Donc, ma foi. Donc là, du coup, on a un petit support ici. Là, on a un support. Là, on a un support à avoir. Donc, est-ce qu'on a une résistance à proximité donc là on, avait un su là, on avait une résistance à 10,77. Bon, je ne vais pas le tracer. Euh, on a refait un pullback dessus. Bon, je vais quand même le tracer pour la symbolique. Ok. Donc là, on a refait un pullback dessus. Donc c'est pas mal. Donc après, c'est aussi, on a cassé la moyenne mobile 50. On a refait un pullback sur, sur la moyenne mobile 50. Ouais après on a cassé ici, ok bon. Bon, en Daily c'est... Il se maintient sur les sur les niveaux des 10-11. Ok. Est-ce qu'il y a une résistance Voilà, il y a une résistance. Ok. Petite résistance, ok. Il y a une résistance à 16-47. Ok. T'en as acheté pour combien Mathieu, sans, sans indiscrétion Donc, le 4 heures. Bon. Après, le problème, on voit, c'est le volume. Hein. On le voit clairement. Il n'y a pas trop de volume. Tu vois, c'est ce qui... Je pense qu'il n'y a pas trop d'intérêt pour le moment. Il n'y a pas de... Il n'y a pas d'intérêt sur la crypto. C'est ce qui... Moi, perso, j'investirais pas tout de suite dessus. Parce qu'il y a... Alors, peut-être que c'est le, mo... le bon moment d'investir. Parce que c'est quand... C'est quand les gens ont peur... Voilà, c'est quand euh... c'est quand personne parle de la crypto, si c'est un bon projet, évidemment. Pas tous. Pas toutes, mais euh... ouais, il manque du volume. Ah, ouais, 30 balles, bon bah ok, impeccable. Waouh, ouais, bah nickel, ouais, ouais, bah laisse couler. Hein. Laisse couler, de toute façon, t'as rien à perdre. Le 4 heures. Tu vois, là, il y a eu un volume d'un coup, là. Faudrait... Faudrait se renseigner. Le 31 juillet, est-ce qu'il y a eu une annonce du projet Est-ce qu'il y a eu un communiqué de l'équipe Pourquoi il y, a eu un... bah, il y a eu une mèche, là, d'un coup Parce que moi, je me méfie des, des volumes comme ça, soudain, et après, d'un coup, c'est plat. Après, on a un volume. Tu sais, c'est un peu comme euh, Ripple, XRP, tu vois. D'un coup, on a des volumes et tout. On a des bougies haussières, on a des mèches, et après, il se passe plus rien. Ouais. Bon, pourquoi pas Pourquoi pas OK sur euh, pour AR, est-ce que vous avez d'autres cryptos à me proposer De rien, Mathieu. Si vous avez des cryptos, c'est le moment. Hein. Harmonie, OK. Alors, Harmonie. Alors, Harmonie, on va plutôt l'analyser sur Binance. Euh, contre le TTR, OK. Donc, je ne connais pas du tout cette crypto. Est-ce que tu peux, euh, tu peux me détailler un peu le... Le, le projet fondamental, je ne connais pas du tout. Hein. Vraiment, euh, je ne connais pas. Tiens, je vais essayer d'aller voir sur Google. Harmonie. Alors, harmonie. J'essaie de trouver un... quelque chose pour le fondamental. Ah. Harmony doit tout de même réparer les dégâts causés par ses utilisateurs. Elle a donc décidé justement de les consulter autour d'un vote de gouvernance. Qu'est-ce qui s'est passé C'est un fork Non, c'est pas un fork. Ok. Bah écoute, je trouve pas grand chose. Il y a eu un hack, non Hack d'horizon Bon, je sais pas, je trouve pas grand chose. Si vous avez des infos sur le fondamental, euh... information fondamentale. Ok. Bon. Bon, écoutez, je trouve pas grand-chose, c'est pas grave. Alors, le Montslie, le Montslie, juin 2019. Il y a peut-être moyen d'avoir un historique un peu plus conséquent dessus, je pense. Si, si je l'ai sur Bitfinex des fois. Ok, ouais, bah c'est le même principe que Ar ah, alors. Ok, ça marche. Alors, je ne l'ai pas sur Bitfinex. Donc, euh, donc bon, bah on va, on va rester sur Binance. Donc, là, il y a eu... Ouais, bon, le monthly est pas, pas encore conséquent. Bon, ici, on a cassé. Hein, ça, ça correspond à la baisse du Bitcoin. Ok. Bah déjà sur le RSI, euh, on est bien bas. Sur le weekly, on est bien bas. Est-ce que... Euh, Est-ce que si je prends... Si je prends les FIBO... Donc si je prends les FIBO... Euh, là, on a cassé 38, 2, 0, 5, Donc on a cassé les trois niveaux les plus importants. Donc, euh, ouais, d'accord, ok. Bon, c'est baissier, hein. C'est très, très baissier. Euh, T'en as acheté quand, du, du Harmony C'est juste, euh, juste pour savoir si t'as en perte ou pas. Euh, ouais. Bon, le graphique, il fait un peu flipper, je t'avoue. Par contre, il y a du volume. faut l'analyser à partir du daily donc le daily donc le daily là on a une résistance voilà est-ce qu'on a un support par là là on a un support Ok. Il y a une semaine. Ok. Donc, bon, tu l'as acheté quand même relativement bas quand même. Ça va, tu l'as acheté bas. Donc, 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 donc bah écoute, euh, ouais, ça m'a l'air baissier. Ça peut baisser encore jusqu'à. jusqu'à. jusqu'au 16 centimes. En daily. Euh. Là il y a moins de volume, il y a eu du volume quand tu l'as acheté, il y a eu un volume baissier. Donc tu l'as acheté, euh, acheté en pleine descente ou peut-être tu as dû l'acheter ici peut-être. Peut-être ici. Weekly. Voilà, on a un support ici là. Là, on a un support. Et euh, il y a eu un ATH alors prend presque 40 centimes ouais, ouais ouais bon par contre quand il monte il monte hein. quand il monte euh, là, là il a consolidé boum là quand il monte lui euh, là quand il est monté ouais plus euh, c'est quand même énorme hein. Est-ce que... faut voir s'il a retracé... Bah bon, Oui, il a retracé, mais de combien Ouais, il a retracé, mais, euh... mais... Mais pour ceux qui ont acheté là, ils sont toujours gagnants, quoi. Ouais, bah écoute, ça m'a l'air pas mal, hein. Je pense que l'acheter sur, euh, sur ce support, ça peut être pas mal, hein. Sur le support des 16 centimes. Tu vois, c'est le même support qu'en qu Daily, là. 17, 16 centimes. Ouais, ça m'a l'air pas mal. Ouais. Bah écoute, euh, si tu crois au projet, parce que c'est toujours pareil, hein, c'est une question de croyance. Moi, je rechargerai ta place ici, sur les 16 centimes. Je pense que les 16 centimes, ça serait un bon deal. Hein. Le 4 heures. Ouais, le 4 heures, on est baissier. De toute façon, là, on est baissier. Hein. Je pense qu'on va redescendre encore vers les 16 centimes. Hein. Ouais, le gold, ouais, pas de soucis. Donc voilà pour Harmony. Si tu veux recharger, je pense, si tu crois au projet, c'est les... vers les 16 centimes. Hein. Attention que ça descende pas plus aussi. Hein. Parce que c'est quand même. Euh... Ouais, c'est quand même baissier. Hein. Voilà. Bon, je vais faire le gold et après je vais vous quitter, les gars. Alors, le gold. Alors, Xo. Alors, moi, je le, je le regarde plus trop, le gold. Je le regarde plus trop, c'est vrai que. Bah ouais bah franchement Recharger sur les 16 centimes c'est excellent hein C'est excellent gros Après attention euh, Regarde bien le graphique Si ça confirme Tu vois euh, quand je te dis, quand je te dis euh, Recharge euh, Tu vois T'attends qu'on tape le support Qu'on fasse une clôture Donc Deux bougies sur le support Pas la première bougie t'achètes qui a une confirmation et là à mon avis ça peut être pas mal alors l'or alors l'or 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 là on est sur je pense alors l'or il est ultra volatile depuis euh, depuis depuis moi je le regarde depuis juillet 2020 avant je m'intéressais pas du tout à l'or depuis moi j'ai vu la th à 2000 j'ai fait une dizaine de trades dessus, je suis, je suis quand même pas mal sur l'or. J'ai arrêté de le regarder euh, sur le mois d'août là. J'avais pris un trade, euh, pris un trade euh, en fin juillet. Euh, je l'avais acheté, acheté sur ces horizons-là. Je sais pas pour ceux qui sont dans le groupe, vous vous souvenez, sur les 1730, je l'avais vendu à 1780. Et euh, bah, ils il, il vendent il vende à chaque fois la, la résistance ici. Il, il le, enfin, là, je suis sur le monthly, hein Mais je veux dire, euh, généralement, ils vendent il vend les résistances. Bah, de rien, Teddy, ça fait plaisir. Donc, euh, c'est pas impossible qu'on aille voir les 1700. Après, c'est du monthly, hein c'est du monthly pour, euh, pour l'or. Donc, c'est sur du long terme. Donc, attention là. Attention les... les... Attention le, au support ici, euh, pour être précis, attention au support, en, ouais, à 1710, entre 1700 et 1710, attention, euh, en weekly, en weekly, donc en weekly, là, on est sur les 1680, ah, à mon avis, il va y aller, hein. il va y aller, l'or, hein, à 1780, si on casse, après, c'est la moindre mobile 200, donc moindre mobile 200, ça peut être un bon niveau de, de, de support. Mais l'or est baissier. Hein. L'or est baissier. En daily. Ouais, le daily. Alors le daily, c'est sur le daily que je vous disais tout à l'heure. Il vend à chaque fois la résistance ici. Le pivot là. Le pivot. À 1790, il est à chaque fois vendu. Et à chaque fois, il rachète le support. Donc très... franchement, trading. Pour, pour faire du trading sur l'or, c'est pas mal. Hein. On rachète le support ici et on rachète la résistance là. Enfin, on vend la résistance plutôt, c'est pas mal. Ah bah si t'es... Ouais, si, alors toi t'as dû le prendre... En... Ouais. Ah bah en 4 heures, c'est pas mal. Hein. Bien joué, t'as acheté le... As acheté un bon... T'as acheté, t'as acheté... Ouais. T'as acheté un bon... un bon niveau sur l'or. Pas mal. Alors l'or fait gaffe aux annonces économiques euh, Parce que l'or il est volatile hein. Par contre il y a une bonne reprise hein, sur, le, sur le RSI hein, en 4 heures hein. Là on a vraiment fait les plus bas hein. Là on a eu les plus bas en 4 heures hein. Donc attends 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 là, là on a un petit canal Je crois qu'on a un canal descendant euh, Hop attends plutôt pas mal ici là. Tu vois. Si on casse ici. Enfin, on a cassé. On a l'air de casser le 4h là. La clôture, elle est dans... Bah ben, il y a eu la clôture là il n'y a pas longtemps. Donc c'est pas mal, hein. C'est pas mal, t'es dit. Euh, tu l'as acheté à 1733. C'est euh, pas mal, hein. Je ne surveillais pas pour te dire la vérité, mais c'est pas mal. Donc, pour le 4h. Donc le 1h. Heure... Ah ouais, j'avais pas vu ça. Bo -bo -bo. Attends, on va mettre les moyennes mobiles. Euh, moyenne mobile ok moyenne mobile donc là euh, le 14 août tain, depuis le 14 août bo bo bo, tain, je l'ai plus regardé moi je l'ai vendu à ah, tu vois j'aurais pu, pu le vendre euh, moi je l'ai vendu à 1780 j'aurais pu attendre et le vendre à 1800 tu vois là il y a eu 3% bon c'est sur l'or hein, c'est pas le bitcoin mais 3% sur l'or en trading c'est pas mal hein. Là, il y a une bonne reprise en 1 heure. Bonne reprise en 4 heures. Euh... heures. En 6 heures, en 6 heures, en 6 heures. Pareil, ça m'a l'air pas mal. Après, les volumes sont plutôt faibles. Ok, par contre, le daily, hein, le daily fait flipper. Hein. Donc, euh, es dit, euh, pense au trading. Là, là toi, tu l'as acheté à 1730. Garde pas ta position euh, euh, pendant, pendant un mois. Hein, parce qu'il y a de fortes chances qu'il aille voir les 1700 hein, sur du daily. Hein. Sur du 4 heures. Euh, voilà, le revend à 1750, c'est pas mal. Hein, tu vois Moyenne mobile 200. Okay. Et euh, voilà, et le euh, weekly, le weekly, le weekly. le weekly. Bon, le weekly, euh, bon la prochaine zone sur le daily weekly, c'est euh, 1710, 1700. Voir 1680. Il faut voir en 14 jours. J'aime bien regarder les 14 jours. Euh, ouais. Voilà. Ça correspond bien. Hein, 1715. Bon. Ok. Pour résumer, l'or, il est haussier sur du court terme. Et sur du moyen terme, long terme, attention. Tr voilà. Attention, les gars. Voilà. Est-ce que vous avez des questions ou vous voulez que j'analyse quelque chose d'autre ah, Déjà presque une heure de live. Hein. Je l'ai fait un peu trop tôt le live, c'est dommage, mais bon c'est pas grave. Bon, si vous n'avez pas de questions, si vous n'avez pas de d'autres de, de, cryptos, je vais, je vais m'en aller. Et eh ben écoute nickel, je vais vous quitter les gars. Une heure c'est parfait, une heure de live. C'est vrai que quand il y a du monde, il y a beaucoup de questions. Je, vais, je fais 2 heures, trois heures, donc ça dure trop longtemps. Une heure c'est parfait, c'est pas, c'est pas indigeste, c'est nickel. Voilà les gars, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre des commentaires euh, sur le replay. Euh, ça booste un peu l'algorithme YouTube. J'essaye un peu de. Euh, oui oui, mais je t'ai reconnu hein, t'ai reconnu mec. T'inquiète, je t'ai reconnu. Je reconnais, les, je reconnais les, les élèves. Je reconnais toujours les élèves. Donc, n'hésitez pas. Vous mettez des likes, vous partagez la vidéo, vous commentez surtout, parce que les commentaires, ça, ça booste un peu l'algorithme. Et euh, ma foi, comme ça, ça m'encourage à en faire plus souvent sur YouTube. C'est vrai que je ne suis pas trop présent sur YouTube. Moi, je suis plus sur Telegram. Je... Mais bon, voilà, il faut, on s'adapte. Donc, voilà, les gars. Euh, je vous fais des bisous. Je vous dis. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne soirée, une bonne journée. Euh, tu peux l'analyser, s'il te plaît. I C'est quoi I Je ne connais pas I. Est-ce que tu peux m'en dire plus I Je crois que je ne connais pas. Qu'est-ce que c'est I Peux-tu m'en dire un peu plus mon ami Comme ça je, je l'analyse avec plaisir. Bon. Ah d'accord. Ouais j'avais pas compris I. Tu peux l'analyse s'il te plaît. C'est pour ça que j'ai pas compris la, la phrase. Ok. Bon, bah, vous n'avez pas de crypto, pas de questions. Je vais vous laisser de ce pas, mes petits chéris. Donc, euh, abonnez-vous pour ceux qui ne sont pas abonnés, c'est important. Je répète, hein, je répète. Euh, abonnez-vous, mettez des likes, c'est important aussi. Et euh, pour ceux qui viennent d'arriver, ne hein, vous inquiétez pas, il y a, y a un replay. Il hein. y a un replay, donc, euh, pas de soucis. Pas de soucis, pas de soucis. Allez, je vous laisse, les gars. Je vous fais des bisous et euh, ouais, je referai un certainement, euh, certainement cette semaine, un peu plus tard, comme ça il y a plus de monde. Euh... J'ai mal écrit, tu peux l'analyser. Que veux-tu que j'analyse, mec Il n'y a pas de souci, mais tu ne mais tu me dis pas ce que, ce que tu veux que j'analyse Que veux-tu que j'analyse Bon. Bon, bon, bon. Et ok, ok. <laughs> Allez, je vous quitte les gars. Je vous fais des bisous. On se retrouve... Euh ah DQL DQL C'est quoi DQL Faut voir Attends. J'avais pas compris DQL. Bah je sais pas, je connais pas. Ah, j'attends un peu ce que j'en suis, je vais quitter, il va, va me répondre. J'attends deux minutes. Bon, bah écoutez, hein, il, il, je crois qu'il est parti. Allez, on se dit à toutes les gars. Mettez vos commentaires, likez, abonnez-vous, c'est important. Je compte sur vous. Bisous.